Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée Par-delà le mur. Bon, nota bene, hein, on parlait du... quand je dis par-delà le mur, je parle du mur d'Adrien, qui a été construit durant l'Empire... pendant la période de l'Empire romain avant qu'il soit divisé, et le mur d'Adrien, notamment. Il y en a eu plusieurs, mais c'était l'empereur Adrien qui avait construit une série de fortifications pour stabiliser les conquêtes faites. Et le mur d'Adrien était, ouais, on va dire ici, à la louche, ou peut-être un peu plus bas, ici. Bon, c'est entre ces deux provinces-là, c'est soit au nord ou au sud de celle-ci. Et c'était pour empêcher les invasions des peuples barbares. Hein. Les barbares, hein, chez les Romains, c'était pas des personnes qui n'étaient pas... c'était pas forcément des barbares au sens propre du terme, c'était plutôt des personnes qui étaient extérieures à l'Empire. Ils appelaient ça des barbares. Voilà. Tout individu qui n'était pas romanisé. Typiquement, la dynastie chinoise, à l'époque, je sais plus c'est laquelle, pouvait être considérée comme des barbares. Alors que techniquement parlant, ils étaient peut-être équivalents au niveau technologique ou socio-économique, ils étaient à peu près au même niveau, quoi. Plus ou moins, il y a des différences, mais vous avez compris l'idée, quoi. Voilà. Et donc, du coup, par-delà le mur, c'est-à-dire que l'Écosse va franchir le mur pour pouvoir s'étendre. Voilà. Et petite parenthèse, même si je n'aime pas cette série parce que je la trouve trop mainstream, Game of Thrones, le fameux mur qui empêche les sauvageons en français ou les barbares de passer, parce que la map de Game of Thrones, hein, c'est l'Angleterre, hein. Il a juste changé les formes, mais c'est la même carte, hein. C'est la même chose, hein. Il est resté anglo-saxon, le monsieur, bien évidemment. Et le mur, en fait, le fameux mur dans les premières saisons, c'était de là qu'était il s'est inspiré du mur d'Adrien, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que les provinces sont très enneigées, puisque c'est au nord de l'Écosse. Voilà, je ne suis pas expert de la série, mais quand je vois un parallèle qui peut être fait avec l'histoire, je le fais, quoi. Bien évidemment. Bref, on était Ouais, Northumbrie, je vais peut-être le libérer. Ouais, ça peut être intéressant de libérer Northumbrie. Annexer les îles hybrides. Je pense que je peux le faire quasiment instantané. Ouais, il me coûte zéro. Le coût total de l'annexion est estimé à zéro. Not bad. Eh ben, écoute, c'est pas mal. Parce que on pourra prendre les duchés puissants avec les nobles, je crois. Ah, ça peut être très bien. On peut pas le prendre? Ah, il faut avoir deux vassaux ou deux marches. Ok, mais ça, on le prendra peut-être par la suite. Mais comme on va l'annexer, j'aurais dû peut-être... Ouais... Je peux pas annexer en temps de guerre, si. Ah non, il faut attendre 10 ans. En 54, ouais, 2 ans. Ok. Ce que je vais faire une paix séparée avec Tyrone, déjà pour commencer, demander la paix. Je te bouffe, hein. On est bien d'accord, hein. Annexion totale, ça me coûte 13. Ta thune ? Ah non, on avait dit que je te bouffais pas, que je te vassalisais, excuse-moi. Excuse-moi, je m'en excuse. Vassaler... Tyrone, t'as des revendications ou pas? Voyons par le début. T'as des revendications. Ulster, t'as des revendications à part là. Ouais, bah donc en fait, ici c'est vachement mieux. Parce que tu pourrais aller à gauche et à droite. C'est parfait. Et puis ailleurs, hein, bien évidemment. C'est des... Je laisse un peu le son. C'est des revendications, hein. Ouais, c'est pas des reconquêtes. D'accord, très bien. Donc, non, Lannister... Après, Lannister, je peux aussi le bouffer, techniquement parlant, parce que toi, t'as tout un tas de reconquêtes. Ça me ferait avoir deux vassaux instantanés et qui me permettrait justement de feed... Ouais. Je pense qu'on va vassaliser ces deux-là. Ah. Il a eu son indépendance. Attendez, je regarde, hein, parce que j'étais un peu focus dans la guerre. C'est où l'histoire du... Il est occupé par l'Angleterre. Ils ont dû avoir leur indépendance.
Ouais, le 22 août 50. D'accord, ok. Bah, ils ont perdu leur hégémonie ici. Parfait. Ah, ils ont perdu l'île de Man aussi. Ah. C'est étonnant. Ouais, donc là, l'Angleterre, elle est en PLS. Elle se relèvera pas. Hein. Donc, peu importe. Toi, vassal de moi. Mais je te... Je prends ta thune ou pas? Non, tu vas avoir des emprunts, ça va être chiant. On va faire ça. Tu abandonnes pas tes revendications. Et pour eux uniquement, et tu deviens vassal d'Écosse. Ok. Pour eux uniquement. Ok. Petite fleur de lys, on apprécie. Hop. Voilà. I have got vassal. Je peux attendre ici. Wow. Oui, j'ai trop de relations diplomatiques, je suis au courant. Alors, gros, si tu peux détruire ça. Non, c'est bon. Je vais aller avec les. Avec eux, hein. Ça, par contre, ça m'ennuie. Je voulais peut-être libérer le pays de Galles, mais bon. Je sais pas. Là, ici, gars, si tu veux attaquer, c'est ici. Non. Oui. Minimum 60 points. On va attendre que la guerre se termine ici. Que la paix se fasse, du moins. Ouais, je sais que tu veux la paix, mais attends. Non. Ah, la Renaissance, tiens donc. Bon, là, on va la mettre à l'eau. Ouais, l'Othion, ouais, c'est pas mal, l'Othion. Mais... Ici, c'est mieux. Parce que du charbon. Non, mais là, c'est coût de moins 5%, et là... Bah, concrètement, c'est soit l'un ou soit l'autre. Hein. Celui-ci nous coûterait moins cher, techniquement parlant. Là, ça avance de 1,83. Mais là, ça avancerait de 2,83, de plus 1 de plus. Financièrement, ça rapporterait 0,8 et 0,4. 0,7 et 0,3. Ouais. On va développer notre capital dans un premier temps, je pense. Et après, on s'occupera de l'autre juste à côté. Ou ailleurs, hein, peu importe, hein, honnêtement. Ça va être... Encourager le développement provincial. On est en retard dans les techs. Oui, mais on a pris la tech militaire qui était, on va dire, la plus importante. Ensuite, j'ai plus de troupes, mais ça on le savait déjà. J'ai une lassitude de guerre, mais totalement dégueulasse. Ça, je vais attendre parce qu'il faut que je sois en paix pour pouvoir le faire. Ok. Là, je veux juste attendre que cette guerre se termine. Moins 7%. Ah, je sais, mais là, 28%, j'ai envie de prendre Lannister. Et on l'aura peut-être avant, je vais accélérer le temps. Voilà, parfait. Oh! Oh bah, écoute. Voilà. Puis on va aller à Chester, alors. Bah, écoute, si tout le monde y va. Alors, toi, maintenant, je te veux demander la paix. Je veux te vassaliser. T'as beaucoup de thunes, 15, c'est pas intéressant. Mais tu deviens vassal d'Écosse. Devient vassal d'Écosse. Ok. Parfait. Et là, on a tout un tas de CB. Parfait. Pour eux uniquement. Voilà. Nous avons un nouveau vassal. Coucou, bienvenue au club. Tu vois, on s'amuse bien.
On va prendre, on va terminer ces deux petits trucs là, vite fait. Hop, et hop, voilà, 100% avec l'anglois, nickel. Bon, après, je sais que ça se fait pas, mais comme c'est l'Angleterre, je veux bien le faire. C'était quoi? C'était le pillage. Il y a quand même 20 à Londres, hein. Il serait quelque peu fâcheux de... Ah, fin de la guerre de deux roses. Eh ouais, mais bon. Grâce à nous, j'avoue, mais bon. Ouais, c'est pas avec cette vitesse-là que je pourrais prétendre à piller Londres rapidement. Non, bah écoutez... Alexander, ok. Bon, bah écoutez, étant donné qu'il nous reste plus que ça... Toi, t'es content. Casti, tu demandes rien. Là. Ah, attendez, là, il va falloir... On pourrait donner Northumbrie, mais on pourrait aller jusqu'ici. Quelles sont nos revendications? Ok. Il n'y a que là. D'accord. Libérer la Galles. Le pays de Galles, pardon. Bof. Je regarde s'il n'y a pas un autre truc. Non, il n'y en a pas. Hein. Ah si, t'as les Cornwall. Ouais, super. Piller Londres. Ouais. Pourquoi pas. Ah non, c'est débile. Parce qu'on va... C'est débile dans la mesure, en pillant ça, ça va pas nous donner l'institution plus rapidement. Donc je vais pas le faire. On peut t'humilier. Voilà. On peut te... Bon, je me garde ça pour le bonus. Voilà. Toi, t'es pas content. Bah, je te donne le Cotentin. T'es pas content. Tu voudrais quoi? Non, bah, je vais pas prendre ça au final. Par contre, ta thune... T'es pas content de beaucoup... Ah, de 10. Ah ouais, quand même. Tu voudrais co, c'est ça? Non. Alors, attendez. Suggérer une offre. À quoi que je fasse, en fait, t'es pas content. Mec, je peux rien te donner de plus, là, hein, techniquement parlant. Alors ça, j'ai pas envie de le faire, de libérer l'Écosse. Là, tu perdrais quoi? 20. Ah, là, t'es content. Bah voilà. Je te donne le Cotentin. Je peux te donner ça en plus ou pas? Là, t'es très content. Ouais. Là, t'es content un peu. Mais si je prends ça, là, t'es vraiment pas content. Ouais, et puis encore, ça va. Ouais. On pourrait libérer la Galles. Le pays de Galles, à la rigueur. Tu perdrais que 1. Bon, écoute. Ou à moins que je te donne co directement. Non, 1 pareil. Je vais te donner Calais. Et je libérerai peut-être... ça, pour de la reconquête. Pourquoi pas. Une humiliation. Des réparations de guerre, si je peux. Et de la thune. Ça me paraît pas mal. Après, on verrait pour le pays de Galles, mais ça peut être pas mal. Et là, on pourrait faire un casus, on pourrait faire un gros casus belli de reconquête face à l'Angleterre, ouais. T'es vraiment pas content. De 11? Mais pourquoi? C'est la réparation de guerre que t'aimes pas? La thune? Attendez, il y a une fraction de seconde, ça passait. Bon, attendez, je vais recommencer parce que... T'es pas content. Ok. Là, t'es content? Voilà. C'est quand je mets les réparations de guerre que t'es pas content, j'ai l'impression. Ah ouais, il veut pas les réparations de guerre.
Et la thune? Bah la thune, hein, si tu veux. Et des réparations de guerre, du coup. Ouais, bah écoute, hein, je veux la thune et les réparations de guerre, hein, voilà. Les pièges de la capitale? 7, ouais, ok. Bah écoutez, ça sera comme ça et pas autrement, hein. Tu libères la Normandie, ouais, la bonne affaire. 2-5, ouais, ça m'ennuie un peu. Bah, on annule les réparations de guerre. L'humiliation, je préférerais, honnêtement. Je pense que c'est l'humiliation, en fait. Ouais, parce que je peux l'humilier et du coup, il est pas content. Et là, ça me ferait 38. Et si j'annule l'humiliation, ça me fait que 8. J'ai pas envie de perdre la Bourgogne. Donc, je vais pas choisir l'humiliation. Je vais choisir la thune. Il m'a aidé, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Voilà, on va faire ça. Tu abandonnes tes revendications chez moi. Ça passe. Très bien. Ça me fait du prestige, hein. Bon, pas beaucoup, mais ça m'en fait. Ensuite. Ouais, on aurait pu... Bon, on leur a fait mal, hein. Il a perdu palais, il a perdu ça, il a perdu man. On gagne combien en thunes? 200. Non, c'est bien. Ça remettra pas. Si je prends un peu plus, hein. Non, ça on va laisser pour l'autre. De beaucoup. Oui, bon, c'est bon. Hein. Écoutez, pour une première paix, ça me paraît plutôt pas mal. Je le fais pas plus en fait. Hein. Je passe toujours du temps dans les premiers traités de paix, mais j'ai rien envie de louper en fait. Et la Galle, on se garde l'option quoi, pour le pays de Galles. Ok, parfait. Bah merci beaucoup, au revoir. Voilà. Je vais repousser la frontière. Parfait. Ça me donne une revendication où? Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Vas-y, je vais cliquer là pour être tranquille. Je vais maintenant regrouper toute l'armée parce que ça risque d'être compliqué. Je peux être défenseur de la foi, on va se calmer, pas tout de suite, on attend un peu. Je vais pas légitimer à part peut-être Chester, je crois, c'est ça. Ouais, Chester, je peux le légitimer. Un coup de 10. Ça, j'hésite. Ça, je peux le légitimer, je vais le faire. On a beaucoup en... Ouais, on a 10 quand même. Bon, après, on est en plus 8 quand même. On va développer le pays un peu. On va te faire passer à 20 pour l'institution. Il n'y a pas une mission qu'on peut faire. Genre développe le pays. L'Otian dit... Oh oui, c'est pas mal ça. Parfait, c'est un peu notre objectif en plus. Merci pour la thune. On va te faire passer à 30. Voilà. Puis on va maxer ça aussi. Bah écoute, hein, on va le maxer au maximum. Voilà, c'est le cas de le dire. Parfait. Notre armée elle est en Black Flag, on a deux vassaux. Ok. Trop bien, merci Castille. Oh ça fait plaisir. J'ai plus de dettes et j'ai de la thune. Mazette. Ça c'est très bien, merci beaucoup pape. 49. Honnêtement... À 35 de dev. Je pourrais le changer quand? En 54. Ouais, ok. Dans un an, quoi. Je peux pas prendre de... Ah, les impôts. Ah, je peux pas. Il faut être tech 4. Ok. Par contre. Militaire. Le modif d'entretien terrestre, ouais.
Et vous faire gagner un peu plus d'argent. Oh, nous avons un cardinal. Super. Angleterre, qu'est-ce que je peux faire contre toi? Ouais, non, c'est peut-être un peu cher. Bah, écoute, casse-toi. Tu vas aller dans nos dépendances. Et tu vas aller, après, dans nos alliés. Mariage ibérique. Oh, bien joué, Castille. Voilà. Alors, un conseiller, vitesse de renforcement. Non, perdons 10 en légitimité. Alors, je sais qu'il y a un événement avec la Norvège qui existe. Bon, je le ferai plus tard. Mais ça nous donne la capacité, justement, de récupérer les îles, là. Ou à moins que ce soit une mission, à voir. De l'élimination mondiale, calme-toi. Ok. Ouais. Et ça, ça nous donnerait... pourquoi pas. Ah, tu veux de la thune maintenant. Beaucoup ou pas? 14? Oui, si tu veux. Là, ce que je vais faire, comme j'ai l'argent et que ça ne nous coûte pas spécialement cher, je vais le faire. Ça va être... le mur de chêne. Mmh. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le faire, ça. Capture des navires, non. Non, la thune. J'avoue que le mur de chêne... j'ai pas l'habitude de le prendre. Mais c'est pas spécialement utile. Écoutez, je le prends pas souvent, je vais le prendre. Je le prends pas souvent pour dire que je le prends pas du tout. Hein. Perdons de l'argent, j'en ai, c'est pas grave. Valotian, toi. Alors, tu vas nous faire. On doit se battre contre les Anglais, donc déjà. Tech 9, Tech 9, Tech 10, Tech 10. Ok, donc on a le temps. Donc, tu vas me faire des navires lourds. 1, 2, 3. Écoute, tu vas faire 5. 5 lourds. Voilà, ça me paraît pas mal. Bon, allez. On va monter un peu plus, voilà, comme ça on aura une belle flotte commerciale. Parfait. Ok, ok, ok. Toi, est-ce que je peux t'annexer du coup? Pas encore. On n'a pas de diplomate envoyé, d'accord, donc on va l'avoir. Donc ce que je vais faire là, c'est je vais faire le truc des duchés puissants. Ce que je vais faire deux choses. Il est où? Relations diplomatiques. Ouais, je vais faire celui-ci. Voilà, pour plus avoir le malus. Donc là, ils sont à 22. Et là, je vais faire ça pour pas avoir le moins 1, le moins 3 d'annexion diplomatique. De toute façon, il va être retiré instantanément parce que... hop! On revient de Castille. Exiger annexion. Voilà. Ouais, gratuit. À moi. Merci. Et là maintenant, nous avons ça. Parfait. Est-ce que c'est utile de faire cet état-là? Non. L'île de Man, oui. J'attends d'avoir une flotte pour ça, chérie. Des rebelles. Ouais, quand même. Lassitude de guerre, elle baisse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais libérer. Ouais, j'ai un slot en plus, donc c'est parfait. Je vais libérer la Northumbrie. Voilà. Ok.
qui va être de culture anglaise et qui va avoir tout un tas de revendications. Maintenant, ça me brille. Hop. Voilà, et là maintenant, toi, théoriquement, t'as des reconquêtes. Jusqu'à quand ? Jusqu'en longtemps, je pense, non ? Oui, c'est bon, je pense qu'on est large. Je pense qu'on est relativement large là-dessus. Parfait, là on a un vassal. Ok, donc on va pouvoir commencer à bouffer chez nos vassaux. Là, je pourrais faire ça, pour être tranquille. Hop, et hop. Là. Alors, je le fais pas souvent, mais ça, j'aime bien. Bah, je le fais pas souvent. Maintenant, j'ai appris à le faire, en fait. Le coût de développement et tout ça qui est réduit, c'est quand même pas mal. Donc, juste une fois, c'est notre capitale. Ça va le rester pendant un certain temps. Voilà, c'est bien d'améliorer les infrastructures. Et là... Eh bah, écoute... Là. Et là. Voilà. On a l'institution. Parfait. Accroissement. Go. Hop. Et en attendant, je pense que tu peux t'entraîner. Parfait. Donc améliorons les relations avec nos dites dépendances. Donc du coup, Chester. Ouais, bah écoutez, la gale, je vais... Et là, on a tout un tas de reconquêtes. Et puis, surtout, on a ça. L'île de Man qui est alliée à Kildar. Oh, l'île de Man. Bah, c'est parfait, c'est un peu la politique d'extension qu'on veut avoir. T'as combien de troupes ? T'as 4000 hommes. Moi, j'en ai pas plus. Et le débarquement risque de me coûter très cher. Donc, peut-être tirer un vaisseau light. Un light, voilà, même deux lights. Et remettre des cogs à la place. Voilà. Entraîne-toi, c'est très bien. On a de la... Ouais, on en a plus. Oh, la capacité de siège, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Bon, par contre, ça n'empêche pas que toi, t'as le droit d'aller faire ça et d'aller protéger le commerce en... La Manche, on gagne ou pas ? Je crois qu'on gagne que dalle à la Manche. Waouh. Non, on gagne vraiment rien au niveau... Niveau puissance commerciale. L'institution, ça nous coûterait combien à la prendre ? 134, c'est bien. Ah. Bon, vas-y, donne-moi le 15, si tu veux. Le pape... Améliorer les relations avec toi. Pour prendre les petits bonus qui vont bien. On récupère nos réserves militaires. Hein, on en a... C'est vraiment compliqué là. On a fait... Je dis pas que j'ai mal joué, mais bon, voilà quoi. Vous m'avez compris. Bon, là, l'Angleterre aura vraiment quelques petits problèmes. Hein. Ouais, tu m'étonnes que tu m'aimes pas. À Perse, on va créer un mec. Non, ça c'est mercenaire, c'est le truc qui sert à rien. N'est-ce pas ? Ok. Chester fait partie de nous, parfait. En fait, c'est pas utile, tu vas revenir à la base, toi. Voilà. Northumbrie, t'as des troupes ou comment ça se passe ? Non, ok. Ok. Limite terrestre, ouais, 26, mais bon, on n'y est pas encore. Donc c'est pas à cette vitesse qu'on va aller grande quelque part. Oh, Sienne, une ville libre, pas mal. Ah. 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 Ils sont frontaliers maintenant. Ils sont frontaliers, ok. T'es indépendant. Mais toi, t'as le mariage ibérique maintenant. Bon, là, tu vas pas t'attaquer. Ah, si, t'es en guerre contre Tougour. Oh! Oh, si tu pouvais donner ça à la Grenade, mec. Du coup, t'as une belle alliance. Tunis-Maroc. Ah, c'est.
Skiff, skiff, hein. Ligue commerciale de Gênes a été dissoute. Allez, recrutons une nouvelle troupe. Hop. C'est vrai que j'ai 4000 hommes ici, je les avais pas vus. Comme je les ai, j'ai annexé mon vassal. Ouais, bah tu m'étonnes que tu m'as rivalisé, Angle. Cette grande puissance a contraint Liège à... C'est bien, l'IA elle joue. Elle joue, elle joue, l'IA. Voilà pas. Bon, on récupère une armée, je suis content. Là-bas. Va là-bas. Voilà, va là-bas. Plutôt une bonne nouvelle. Continue de t'entraîner. On a besoin de troupes. On a quoi là actuellement? 6. Oui, bon, c'est bon, France. J'ai compris. T'es énervé. Je l'ai bien compris. Super. Alors, Desmond ou. Non, faisons ça. Faisons ça du coup, parce que je n'ai pas envie d'avoir un... Ah, la guerre des paysans. Ah oui, Northumbrie. Mariage, pardon. J'en oublie mon latin. Reviens de là-bas, toi. Faire des mariages royaux avec tout le monde. Ah. Ouais, vas-y. Mariage royal. Ah, on peut prendre notre tir de gouvernement. Ah, j'aurais préféré... Ouais. Modif de réserve nationale. Privilège, modif d'impôt. De réserve nationale, ça pourrait être pas mal quand même. Compromis avec la noblesse. Officier noble. Maintenance des forteresses. Non, ça, c'est bien. Ayons une grosse armée. Par contre, ça m'ennuie un peu. Ça avance de combien? 3 par mois. Il faudrait que la lassitude de guerre, elle baisse. Pas faire plus. Alors, modif d'impôt, modif de réserve nationale. Ou agitation dans le pays. Non, faisons ça. Notre flotte, elle est prête. Elle est là. Visiblement, ça va pas tarder à péter. Ou ça, chez les Gallois, 7000 hommes. Ok. Bon, arrête de t'entraîner, du coup. Besson, on peut pas encore. 78, ouais. Après, je peux peut-être demander à... Non, toi, tu voudras pas, mais... Castille, s'il te plaît, des hommes. 900, waouh. T'es en guerre. Parce que t'as plus d'armée en fait. On a beaucoup de points de faveur avec toi, 17, non, pour 900 hommes, franchement, je préfère les garder. Bon, ça, j'aimerais bien que ça disparaisse, ce désastre. Bon, 64, on leur a récupéré notre truc. Hein. Voilà, on récupère une armée, parfait. Briser les Douglas. Faisons la paix. Gagnons nos deux stades. C'est bon? Mais normalement, tu devrais disparaître. Bon, ça va disparaître. Parfait. De facto, je peux récupérer une armée. Ah. Ouais, si tu veux. Bon, tu veux des hommes. Ouais, ok, super, merci. Apprécie. Ça va péter vraiment là-bas?
Dans 2 ans. Ok. Franchement, pour ce que c'est ce truc-là, je peux faire ça. N'importe quoi. Ah, vas-y, j'ai pas envie de me battre. Voilà. Je vais me foutre la paix. Comme ça, moi, je crée mon armée de mon côté. Bon, niveau argent, c'est bof bof, mais bon, on fait avec. Voilà, notre flotte est prête. Nickel. Hop. Bah écoutez, là j'ai envie de prendre l'institution parce que j'en ai un peu marre. Je vais utiliser l'emprunt bourgeois. Il y a pour ça ce truc-là, de toute façon. Emprunt bourgeois. Voilà. Je prends l'institution. Et je vais vendre l'institution à la Bourgogne. Tu veux pas, parce que déficit. Oh, qui voudrait? Ah, hors de portée. Bah, la France, ça me plairait en fait. La Bourgogne, dommage. Danemark, tu voudras jamais. Bah, la France, si j'améliore les relations avec toi, techniquement, ça peut passer. Bah, faisons-le. Bon, il a. Ah, s'il a quand même 4000 troupes, l'autre là. Bon, heureusement qu'on a 8. Donc, si je comprends bien, si je t'attaque, toi, Kildare. Ouais, t'as une revendication. Ok. Donc, du coup, si je t'attaque, toi, on est bien d'accord. J'attaque toi et toi. Ok. Par contre, c'est 5000 hommes. Et nos vassaux n'ont pas d'armée. Pas d'armée, t'as pas d'armée. Donc c'est 10 000 hommes là. Tout en sachant que si je fais un blocus là, je risque pas grand chose. Ok. Allez, on est en retard, je suis bien au courant. Mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hélas. On a combien? Oh là là, je t'apprends de rien du tout, quoi. Bah écoutez, on va se mettre en position pour reprendre Man. Man, on va pas s'en occuper tout de suite. Le blocus sera largement suffisant. On va se mettre en position pour attaquer ces messieurs. Voilà. Toi, tu vas te mettre ici. T'es une armée de combien? 9000 hommes, c'est bon. Pas vraiment peur. Reviens du Saint-Siège. Ah! Wow! Alors, moi, je voudrais avoir des hommes. Genre un 2000, tu vois. Ouais, faisons ça. Oh cool, merci beaucoup. Bon, on va déclarer la guerre à Man. Cassius Belli reconquête. On sera en guerre contre toi et contre tout. On va s'occuper de toi directement. Si on te met tous en co-belligérant là, voilà, ça va faire beaucoup et j'ai pas envie de m'en croûter. Donc on va juste faire ça. Et puis reconquête, hein. Go. Parfait, on explose des bateaux quand on peut les exploser. On va s'occuper de ça. Tac. Ok. Alors toi, t'as quoi? T'as 3000 hommes. Ok. T'as plus de bateaux. Man, t'as des bateaux ou pas? Man, t'as rien. Donc, techniquement, je peux clairement aller là-bas faire le blocus du port. C'est un fort de niveau combien ici? 3, donc 4 personnes seront largement suffisantes. Déjà, tu me vires ça. 4 personnes, hop.
Allons ici. Toi, t'as quoi? T'as le 1 de siège, on va te le laisser. Et on va aller là-bas. Alors par contre, t'es gentil, t'es mignonne, mais... faire ça, et tu vas revenir ici. Ah non, c'est notre allié qui fait le blocus, pardon. Même pas vu. Ça, c'est notre copain. Quel? Donc là, toi, techniquement, t'as plus d'endroit où aller, donc je peux te dégommer. Ah. Bah, tant pis pour le papa. Ah, je confonds la flotte de Kildare, pardon. Bon, c'est bien si tu fais le blocus, on va le faire ici, nous, alors. France, le partage de connaissances, tu le voudrais ou pas alors? Ouais, non, on pourrait pas. On pourrait avec lui? Ouais, point 10, c'est pas grand chose quand même. Desmond Boff, toi, portée coloniale, toi. Ouais, bon, en fait, on va le partager à nos vassaux et puis basta. Voilà. Du coup, comme on a l'institution, ça sert plus à grand chose de mettre ça. Voilà, aucun édit. Parfait. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à plus les gens.